Mon baptême, c'était pour concrétiser cette relation que j'ai avec lui. C'est cette pour vraiment dire que ça y est, je suis vraiment à toi, Seigneur. Maintenant, que tu sois mon guide, donne-moi les bonnes paroles pour m'adresser à mon prochain, pour qu'il comprenne ton importance et ton utilité. Et me sauver moi encore et toujours, parce que je suis pécheresse toujours et tout. Voilà. Mais grâce à lui, je me renouvelle aujourd'hui. Je suis une nouvelle Josiane. Je suis enfant de Dieu par ma volonté, pas par celui de mes parents, comme disait le pasteur Prince. C'est ma décision. Il a toujours été là dans toute ma vie, dans toutes mes péripéties, en tant que bien ou mal, ou dans l'amour. Et voilà, je veux le servir parce que je l'appartiens et je l'aime. Et voilà, c'est mon Dieu, c'est mon roi. Au-delà, quand Dieu t'appelle, c'est que c'est le bon. Pour toi? Le début d'une nouvelle vie avec Jésus et de grandir encore plus avec lui. Être avec lui pendant toute ma vie et qu'il me garde dans ses bras tous les jours de ma vie. Puis, je sais pas, c'est venu à l'intérieur. J'ai pris ma décision ce soir-là. Et je me suis dit, il faut que je me fasse baptiser. Mm. C'était un truc intérieur, c'était un désir. Et en fait, je suis venue ici à un moment où ça n'allait pas trop, etc. Et ça m'a beaucoup aidée. Même si au début j'étais un peu réticente. Et au final je me suis dit que vu que ça m'a déjà fait beaucoup de bien, il faut concrétiser. Et du coup, de continuer dans cette lignée et faire en sorte de marcher dans le bon chemin pour le reste de toute ma vie. Ça fait que longtemps que je cherche Dieu. Je cherche Dieu, mais là j'ai trouvé dans l'église Colonne de Feu, j'ai trouvé où est Jésus maintenant. Maintenant je vais être dans la foi, avoir la foi de plus en plus et de continuer ma vie avec lui, avec Jésus, tout au long de ma vie. Je vais être avec Jésus. Il y a un moment de ma vie, c'était très difficile. Et que comme Jésus m'en a délivré, comme j'ai dit, j'ai envie de faire aussi une alliance avec lui parce qu'il a été fidèle avec moi et il ne m'a pas abandonné en fait durant cette épreuve où j'aurais pu tout lâcher en fait. Et en fait, Passer dans de mauvaises épreuves, ça fait longtemps. Mais passer parti à droite, à gauche, même moi j'étais la ronde dans le musulman. 10 ans musulman, c'était un peu difficile, mais le moment les épreuves étaient plus difficiles encore, mais après je l'ai arrêté et moi je suis content, mais aujourd'hui moi je suis bien content que je l'ai eu mon baptême et
Je dis merci à Dieu. Et maintenant, il manque. On passe la bague, madame, pour le mariage maintenant. Ah, je suis heureux, c'est une belle expérience. Je suis tout seul, mais je suis heureux, je suis bien. Donc, là, je dois vraiment épanouir. Je suis sorti grandi. Qu'est-ce que Jésus a apporté de plus dans ta vie? Ben, dans un premier temps, le truc que sinon j'aurais pas été là, ben, la vie tout simplement. Aujourd'hui, je me suis fait baptiser pour vraiment montrer au Seigneur combien je l'aime et m'engager vraiment devant les hommes que vraiment le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte et il m'a appelé et je lui ai dit, me voici Seigneur, je suis présente parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu vraiment le Saint-Esprit. Je vous dis, mes soeurs et frères, quand on renaît de nouveau, vraiment, je me sens renaître de nouveau, mais rempli d'une grâce et d'une légèreté. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je vous dis, vraiment, je connais quoi il veut dire renaître de nouveau en Jésus-Christ. Jésus m'a touché vraiment, j'ai pris conscience que la vérité c'est lui et que ben, pour concrétiser, pour vivre vraiment dans la parole, ben, j'ai dit qu'il faut me faire baptiser et j'avais plus de doute. Vous parlez à moi tout le temps de l'évangile, de la prise, et elle lisait un peu la Bible devant moi. Donc après, ben, ma laissée m'a suivi un peu. Et après, ben, ma femme aussi, ben, elle est venue, elle a expliqué à moi un petit peu, m'a suivi. Et voilà, après, on a la chance, ben, elle nous l'a remis à nous avec, et m'a appuyé pour retrouver ma famille. Voilà, et au bout de 10 ans, m'a retrouvé ma famille. Alors je me suis décidé de me faire baptiser aujourd'hui parce qu'il y a longtemps je cherchais la paix, le bonheur. Et je l'ai pu retrouver dans Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Rédempteur. Il m'a délivré de mes croyances que j'avais d'avant et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et le fait qu'il nous fortifie jour après jour, il nous donne de son amour. Dieu est venu me chercher alors que je ne le cherchais pas du tout. Il est venu me rattraper et depuis ce jour-là, il m'a guéri. Je n'ai plus aucun mal et merci Seigneur. Et depuis ce jour-là, je remercie Dieu. Et la meilleure chose que je pouvais faire, c'était de l'honorer en faisant ce baptême. Ce que j'avais envie de suivre Jésus, je lisais la parole. Je voyais tout ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui diraient bah, tu es jeune pour entrer dans la foi ou bien profite un peu plus de la vie au lieu de suivre Dieu? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Il n'y a pas d'âge pour suivre Dieu. Tout un temps, j'ai rêvé un grand lac et je voulais rentrer dedans, mais à chaque fois, je me mettais à l'écart. Et puis un jour, je demandais à ma belle-sœur qu'est-ce que ça signifie. Même, j'ai demandé à mes enfants d'abord, j'ai dit à elle, à Laurence en premier, et elle m'a dit, maman, tu sais, je crois qu'on t'appelle au baptême. Dépouillé, revêtu d'humilité.
Que tous fléchissent à ses pieds, c'est pour.